cette vidéo, je vais vous lire un excellent article que j'ai trouvé sur le site démocratieparticipative.online. J'ai pris le parti de retirer certains qualificatifs. À vous donc d'aller sur ce site pour lire l'article dans son intégralité. Au bord de l'effondrement complet, la République macroniste mobilise toutes ses dernières réserves sur Paris samedi prochain. Dans le document exclusif qui nous est présenté, nous pouvons voir le plan de mobilisation de la préfecture de police de Paris pour samedi 8 décembre. Toutes les unités, sans exception, sont mobilisées et tous les congés annulés. En résumé, les policiers sont au maximum de leur capacité de mobilisation pour affronter le peuple français dans les rues de Paris samedi prochain. Il n'y a aucun plan de secours. Si dans les semaines qui viennent la tempête populaire se poursuit, la police en charge de protéger ce gouvernement de trahison cédera et se repliera. Le dernier rempart de la République macroniste est donc au bord de la rupture. Pour faire bonne mesure, la garde prétorienne de ce régime a reçu l'ordre de tirer ses cartouches de gaz lacrymogène en tir tendu. Des milliers et des milliers de tirs tendus dans les visages des gilets jaunes. Donc dans les visages des jeunes et des moins jeunes. L'auteur de cet article veut souligner une chose cruciale ici. La police n'est pas une forme de gouvernement. Or, c'est ce à quoi en est réduit ce gouvernement d'occupation. Faire du maintien de l'ordre une fin en soi pour survivre une semaine de plus. La police française ne pourra pas et ne voudra pas se substituer à un gouvernement. En fait, elle n'est plus tant un rempart qu'une impasse. La France ne peut être gouvernée par 70 000 hommes en guerre ouverte contre des dizaines de millions de Français pour assurer la survie de ce cartel de politiciens corrompus. Vous ne pouvez pas gouverner indéfiniment le peuple français de cette manière. Et les policiers le savent très bien. Vous avez jusqu'à des gens comme le général de la Légion étrangère Piquemal pour appeler à rejoindre la révolte populaire samedi 8 décembre 2018. À ce stade, la seule option qui reste à la police est de contraindre Macron à la capitulation. C'est l'alternative la plus ordonnée possible. Si les policiers ne mettent pas Macron devant ses responsabilités, ce sera le chaos dans les rues d'ici très peu de temps et les unités de police ou de gendarmerie territoriale, face à l'insurrection populaire, retourneront dans leur caserne plutôt que d'affronter le peuple. Cela aura pour conséquence inévitable l'entrée en action des bandes d'assassins et de pillards une fois la situation hors de contrôle. Pour ne pas parler des factieux anarcho-communistes. Pour toutes ces raisons, chaque minute qui passe rapproche le pays de l'abîme, à cause d'un seul homme, d'une seule clique, Emmanuel Macron, à cause d'une seule clique de criminels, les financiers et les terroristes de l'information. Les policiers feraient bien de poser des arrêts maladie en masse, comme ils l'ont déjà fait au cours de l'histoire, au cours de ces dernières années. S'exposer dans les rues de Paris samedi prochain pour sauver cette république corrompue aux ordres de Goldman Sachs et de la finance internationale n'en vaut largement pas la peine.